C'est la Camargue! Salut à tous, c'est CMLG, comment vous allez bien? Eh ben moi ça va bien, merci, merci. Donc aujourd'hui on se retrouve en MME sur la map Hanoï ou Hanoï. Enfin perso moi j'aime bien dire Hanoï au lieu de Hanoï. Au niveau des armes, je vais varier en fait. Je commence avec le Space 12 qui est une arme vraiment toute pourrie. Je sais pas du tout comment Monsieur Levé 12 fait pour jouer avec cette arme là, j'arrive pas du tout moi. Et après au niveau du reste des armes, je sais plus. J'étais avec un ami à moi qui s'appelle Alan Nova. Et c'est lui mon meilleur ami. Les initiales de MLG pour mon pseudo, c'est MLG. Donc petite dédicace à lui. Donc vous allez voir durant la partie, je vais vraiment faire une putain de partie, mais vraiment sans camper. Au début je me galère un peu, mais après je vous sors le Yui et tout le tralala. Donc tout de suite on va attaquer avec le petit sondage de décrivons CMLG. Donc franchement en lisant vos commentaires, et je me suis bidonné, honnêtement il y en avait des bons hein. Donc je vais tout de suite dire les... Bah en fait il n'y en a que 4 qui se sont pour moi le plus rapprochés de mon état physique. Donc je vais vous dire les 4. Alors il y a Blacky83500, Echeos 27, Sergent Fac et E-Snipes. Alors par contre E-Snipes, le petit détail à la fin. Si tu vois cette vidéo, t'aurais pu éviter ça. On te demandait pas ça, mais tu t'es rapproché aussi de mon état physique. Donc à la fin de la vidéo, bah, je vous mettrai une photo de moi. Je pensais faire un face commentary bah, pour que vous puissiez voir. Mais je me suis dit, ouais, et tout. Je sais pas en fait, au niveau de faire du direct et tout, je sais pas encore faire les gameplays en direct et tout. Donc je vais vous mettre une photo de moi, une ou deux photos de moi. De ma tête et après on va dire de mon aspect général quand je suis debout. Et vous verrez donc je vais vous dire, je suis brun, cheveux courts, je suis pas super grand, je mesure 1m70, je fais 60 non pas 60, oula putain non, je fais 50 ouais 59-60 kilos. Style vestimentaire, bah après c'est clair quoi, j'aurais pas dû demander ça parce qu'après c'est vraiment chacun son style quoi. Je pourrais pas dire ouais je m'habille bien ou je m'habille mal, après ça dépend de vos goûts j'ai envie de dire. Donc bah ouais bah, je mettrai une photo, vous verrez d'après une photo comment je m'habille. Je n'ai pas de bouton, je n'ai ni de lunettes ni d'appareil dentaire, on m'a sorti ça. Je n'ai ni tache de rousseur. Qu'est-ce qu'il y a encore après être beau gosse ou pas personnellement je saurais pas vous dire, je suis pas narcissique. Donc je vais pas dire que je me kiffe. Vous, après, vous êtes des mecs, donc si vous me trouvez beau gosse, bah, votre attirance sexuelle ne m'intéresse pas du tout. Non, mais franchement, il y a des gens quand même qui m'ont mis des commentaires. Bon, alors, il y en a, ils ont pas du tout répondu au sondage, c'était juste histoire de faire rigoler la galerie, je pense, mais ça fait du bien un peu de pas sérieux quand même dans le sondage. Franchement, je me suis bien amusé à lire vos commentaires. Sachez que je les ai tous lus, donc... Désolé, il y en a d'autres aussi qui se rapprochaient, mais j'ai pris bah, les 4 premiers pour moi qui se rapprochaient le plus de ma description. Donc j'ai choisi ces 4 là, donc je vais vous redire, il y a Blacky83500, Echeos 27, Sergent Fac et E-Snipes. Snipes, ouais. Enfin, ouais, ça doit être un truc du genre. Donc voilà, donc bravo à vous les mecs. Pour avoir votre récompense, bah contactez-moi et on verra ensemble qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir. Donc tout de suite, pas d'intro, parce que je sais pas du tout en faire. Et même si je saurais en faire, ça serait trop long à faire, donc désolé. Donc ensuite, je tenais à vous faire parler aussi pour le duel commentary. Ça devrait être avec... ça devrait se faire avec Titou76, pour ceux qui connaissent. Il est modérateur de chez Code QG. Donc normalement, s'il n'est pas trop occupé, ça devrait se faire avec lui. Ensuite, on approche... oh putain, le Yui. Oh my god, GG à moi. Donc oui, après on s'approche des 2000 abonnés, alors pendant les 2000 abonnés, je vous sortirai une fun movie. Et cette fois-ci, le setup de ma chambre avec moi en chair et en os, on va dire. En chair et en os, ouais, vu qu'à la première des 1000 abonnés, il y avait eu un problème avec Sony Vegas. Mais depuis, j'ai réussi à trouver une petite caméra pour vous faire un petit setup de ma chambre. Donc voilà, donc vous verrez un peu avec quoi j'enregistre, enfin ça vous savez, mais un peu le design de ma chambre, on va dire. Là où je joue, comment ma chambre est organisée, etc, etc. Ensuite, ouais, bah ensuite, voilà, ouais. Enfin, je repense un peu aux commentaires que j'ai eu par rapport au sondage.
J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Hein. Franchement, les mecs, vous avez un petit peu abusé. Il y en a qui m'ont sorti que j'étais gros avec. Alors, il y en a un, il m'a sorti. Tu es gros. Bon, j'ai rien contre les gros alors. Tu es de forte corpulence, on va dire. Tu es de forte corpulence avec des lunettes, un appareil dentaire. Tu es roux avec des taches de rousseur et des boutons. Et tu t'habilles avec un style à la Steve Urkel. Pour ceux qui connaissent pas Steve Urkel, c'est le cousin de. Je sais plus comment il s'appelle dans. Merde, la série avec Will Smith là. Ah, je sais plus. Ah oui, le roi de Bel Air, je sais pas trop quoi. Et voilà, enfin bref, non, je suis pas du tout comme ça. Donc voilà, les amis. Donc, durant cette partie, bah, j'ai fait un bon score. J'ai eu mon oui-oui. Ma tourelle automatique bah, que j'ai pu mettre qu'à la fin de la partie. Donc c'est la fin de la partie, les amis. C'est juste une petite partie vite fait pour vous répondre au sondage et vous informer des prochaines vidéos à sortir. Salut tout le monde et prenez soin de vous.